Moi, j'aime bien AFK. Mais vous, qui appréciez-vous dans ces quatre? Barof aussi, j'aime bien. Tchak, je trouve que c'est trop lent. C'est trop faible en tempo. Et Drektar, t'es obligé de jouer mort-vivant, quoi. Ou Mecha, remarque, tu peux jouer Mecha, mais bon. C'est pas très sexy, quoi. AFK ou Barof. Les deux sont sympas. AFK, j'aime bien, c'est rigolo. Procrastination. C'est quoi en fait? C'est un gâteau, c'est ça? Procrastination. Donc procrastination, ça vaut un gâteau. C'est égal à un gâteau. Donc quand tu procrastines, tu bouffes un gâteau. Pas forcément. À la fraise en plus. Ah, c'est un muffin, non? On dirait un... Ouais, c'est pas des cupcakes, les trucs. Ah non, c'est un muffin, ouais, c'est vrai. C'est un muffin avec... Je l'ai. Tu manges une bouchée et le reste plus tard. Non. Mais non, il est entier. Il est entier ce gâteau, c'est juste qu'il n'y a pas de la crème partout. On comprend rien à leur image là, il y a un problème. Ça n'a rien à voir avec la procrastination en fait. La 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 la. Vous jouez gros. Maintenant, il va falloir assumer. Une bouchée, le reste plus tard, ça existe. Ça doit exister chez certaines personnes, mais je pense qu'on est pareil. Hein. On mange une bouchée, et même si on a plus faim, on finit. On se fait mal. On va pas laisser pour plus tard, enfin. Ça se fait pas. Bandi, 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 bandi. Je fais ça comme si c'était bien. C'est vrai, on aurait dit que c'était bien. Le gars qui connaît pas le jeu, il fait waouh, il a chaté. Non, non. Juste, j'aime bien dire bandi. Pietro. Pietro Cruento. Vos paroles sont du poison. Je bouge ça, non? Je crois que je préfère donner un plus 2 sur mon pitre. Terminator est dans mon lobby? Oh, wow. Le vrai? Terminator. En plus avec Carny. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. J'aime la ref à Fitae. Bandi, bandi, bandi. Ok. Bon, on va vite aller dans la 3. Ça pétarade dans les chaumières. Bababam. Bababam. Salut Gabi Captain, ouais ça va très bien, ça me fait plaisir de te voir. GG pour le début de session, c'est beau. C'est vrai que pour le moment on fait une belle session. 1-1-1, 2-3-1, j'avoue. Ouais mais j'ai vraiment... Il y a un truc que j'ai fait par rapport aux méta précédentes. En tout cas plus que d'habitude, parce que je le fais toujours. Mais c'est que tous les soirs, je théorise. Tous les soirs, tous les soirs. Là où avant, je théorisais quand je commençais à stagner.
Là, avant de commencer à, avant de stagner, je faisais de la théorie justement pour pas avoir la, pas avoir ce, cette étape où tu stagnes. Parfois, tu peux stagner pendant plusieurs semaines. Hein. Pendant plusieurs semaines, t'es bloqué dans la même côte. À droite, s'il te plaît. Ah non, mais ça change rien. Je reconnais. Et là, vraiment, hop, théorie tous les soirs, théorie, théorie. Alors théorie, c'est pas, je faisais pas une heure de théorie, mais un petit peu. Et voilà. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Je peux re-up en vrai. Parce que... Non mais... Pétard, pardon. Pourquoi t'es à 22, toi, tu joues les yeux de... du Snake? Je fais quoi? Je prends ça? C'est nul. Je up. Up, c'est vraiment grid, hein. Après, t'as 24, y a des trucs bien, mais... J'ai peur d'avoir une tempo vraiment nulle. Quoique, c'est pas mal, ça. Il a up. Non, mais il a up, il est 3. Ouais, je prends quand même ça, non, c'est bien. Plus 2 chaque tour. Je sais pas, franchement, c'est dur là. En 3, il y a tellement de trucs qui peuvent être nuls. Non, mais je crois que je vais. Enfin... Peut-être je le booste un peu lui quand même. Peur qu'il passe un peu de value. Au moins une, quoi. Il y a Mecha ou pas dans ce lobby? Eh. J'ai un peu peur, Mecha. Allez, du nerf, rien n'est perdu. Bon. Oh, il a trouvé son gars là. Ouais, ça m'ennuie un peu. Bon, on a déjà des gemmes. Hein. Soit on leur donne de l'attaque. Je suis pas sûr que ce soit bien de l'attaque. C'est déjà des bonnes gemmes, non? Ouais, le petit Uran chaque tour, je pense que c'est pas mal, là. C'est un troll, ce type. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Je prends ça pour la tempo. Allez hop. Watch out. Bon, vu que lui il nous rattrape en termes de taverne, logiquement, ça devrait passer quand même. Après, son bibelot, il a coûté 0 lui-même. Oh, une embuscade. Ouais, ça va. Enfin, je pense. Je vois pas s'il le pas, mais je pense qu'il va pas up vu qu'il a pris 15 et qu'il a peur. Et je peux comprendre entièrement. C'est bien ça là-dessus? Ouais, non. Oh! Hé, hey, pas mal ça. Attention, je suis en plein goût. Pas mal du tout. Attention, je suis en plein. Hey, il tape sur des bongos et il est musicien.
Boomer sur 1000. C'est bien ça, non, Prince Locke? En vrai, j'aime bien. Je garde ça. C'est fat, ça. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Il peut avoir on va mettre ça first. Hein. Vous avez reconnu, hein. Allez hop, on se motive. Vous aimez la musique, vous aussi. Oh. C'est très dangereux, ça, attention. Merde. Je vois, c'est elle, ça va. Je crois que je m'en fous, ça, c'est un peu tard maintenant. Il y a de l'or en vue. Oh. Qui ose venir troubler mon soleil? Qui ose venir troubler mon sommeil? Hey. J'aime bien Dvorak, non? Mandépine, c'est... Ah, Mandépine, c'est fat, hein. Ah, Mandépine, c'est meilleur, mais faut juste y indé, quoi. Ça, c'est rigolo en vrai. Il tape sur des bambous et... Je prends ce gars. Ce gars-là. La flemme veut récupérer les poissons. Surveillant. Le sol, il se rapproche. Mayday! Un beau board là quand même, hein. Paf! Mayday! J'aimerais tellement faire les voix des jeux, du jeu là. En fait, c'est facile de faire une voix d'une voix qui existe déjà. Mais faire une voix quand tu sais pas quelle voix la carte est là. Voilà, essayez de comprendre cette phrase. Ah, c'est débrouillez-vous, hein. C'est bon, quoi. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Argent ou... Ça, c'est lent, hein. Plus 2, plus 1. Chaque tour, plus 2. Non, je vais prendre l'argent. Armure. Un peu de stats. Non. On va chercher Bran. Bon, ça, c'est vraiment gros. Je refuse jamais de l'aide. Eh, hey, salut, mon con. Je l'enverrai directement sur le terrain. Okay. Je crois qu'on va virer lui. On peut virer lui à un moment donné. Hein. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Je vais finir par attraper du coup de soleil. Ouais, il faisait pas confiance non plus. Babam, babam.
Lui il est lent, je peux le virer plus tard. Je gèle pas le deuxième bran, itération trop peu nombreuse. Oh, ce serait cool à geler, mais non. C'est quoi ta voix de carte préférée ? Elle est plus dans le jeu. C'est un petit démon hein, là, tout dégueulasse là. Le dégueu il s'appelle d'ailleurs je crois, non ? Dégueu ! Dégueu ! Après il y a une autre carte que j'aime bien. Attendez. Attendez les copains. Tu dégages toi. Juste un doux. Compagnon, non, plutôt ça quand même. Non, on veut pas ça. Non, ah ouais. Bah. Salut toi. Ok. Ah, je crois que j'ai fait une connerie. Je peux le faire au prochain tour. En fait, la connerie, c'est... Ça, je m'en fous que ça se défausse. Mais en fait, ça me fait chier de défausser ça, mais bon. Au pire, c'est pas la fin du monde. Mais j'avais envie de continuer à profiter de son 6-4. Après, il y a presque un monde où le Léoc, je le garde en fait. Donc je sais pas. Je me dis je peux le garder, mais je peux aussi ne pas le garder. On verra. Si je perds millésime, c'est pas bien grave. Canalisation, au pire, j'ai 3 gemmes. On va voir. En fait, je suis pas boardlock du tout. Donc. Ouais. Je suis pas du tout boardlock, donc c'est pas bien grave. Un ajout de qualité. On va virer lui. Je vais quand même faire ça si je trouve un truc qui donne... Bon, lui, il est bien. Ça, c'est bien aussi. Vous avez soif ? Ouais, quoique, ça, c'est rigolo. Serviteur, c'est un habitué. Ciao, la gars ! C'est un peu lent, Charlaga. Bah, sur un tour, peut-être. Ouais, tu y faisais pas confiance non plus. Ça, je vais le dégager, en fait. Bah ça dépend parce que si on le triple c'est pas mal. Encore faut-il le tripler. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Ouais, on a encore pas mal de joueurs dans la game. Allez, je vais peut-être me laisser tenter par le Branou.
Oh, je vais rester comme ça. Pas pressé. Non, le bongo bongo, c'est trop lent. J'aime pas. Oh, attention. Ok. Il y a Murloc hein, dans le lobby. Ouais. En fait, faudrait le. Là, je pense qu'on va partir en trouble l'œil, machin. Trouble l'œil. Avec le. J'ai pas le nom, mais je vais vous dire le smug. Le smuggler. C'est quoi qui vire? C'est Charlaga, je pense. Toi, je te veux. Je te veux dans mon équipe, toi. Peut-être ça, on dégage. Hein. Toujours utile d'avoir du renfort. Attention, je suis en pleine. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Le sol y sera proche. La flemme peut récupérer poisson. Ok. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Tu fais comment les gemmes maintenant? Je veux pas en générer. Ça m'intéresse pas. Attention. Lui il est un peu naze mais on va le virer je pense. Des gemmes de sang, quelle gemme de sang. Ok. Je pense qu'on passera pas Murloc, ça va être chiant quoi.
On le bat pas à la stat, Murloc. Enfin, on le bat à la stat, mais il nous bat au poison. J'ai du mal à comprendre le plan de jeu, là. Ah, bah tu vas voir. C'est là où c'est intéressant, ça veut dire que tu vas apprendre des choses. En fait, dans ce genre de compo, on pourrait presque jouer la Sun Glacist à 26, là. C'est pas certain, mais... On pourrait, peut-être. Jazzman. Ouais, Murloc, hein. Je pense que ça va être chaud de les passer. On va essayer d'équilibrer un peu, il y a trop de stats sur ce gars-là. On va en mettre sur lui. Même lui, il en a peut-être un peu trop. On va équilibrer un peu. Comme ça. Parce qu'ils peuvent prendre les poisons, ça m'ennuie. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va faire comme ça, je pense. Ah, ou alors on met la grosse créature là. Ok. Pourquoi pas équilibré sur le cri de guerre? Il se booste jamais seul. J'avais pas envie. Ah, c'est dommage qu'il y ait Murloc dans le lobby. Après, s'il n'y a pas Murloc, on peut pas jouer Trouble l'œil, je suis bête. Ouais. Ça a l'air d'être ok, hein. Il a pas de truc qui ramène de la main. C'est le genre de board méga fort s'il passe un combat, mais je pense qu'il va pas passer le combat. Donc ça va être ok. Super. Un Murloc en moins. Toutes nos cartes ont fait de la value, ce qui explique le... Et lui, il joue des U... Ah non, c'est Murloc, lui. Je pense qu'on va pas passer. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. C'est toujours utile d'avoir du... Ah, Faucheur, ça aurait été pas mal. C'est dur, hein. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Moi, le sol, il sera bon. C'est le secret que nous avons encore à découvrir. Des gemmes de sang, quelle gemme de sang?
Ok. Magnifique, hein. C'est une compo qui est... C'est jamais décevant, le... ce genre de compo. Beaucoup, beaucoup de stats. Ça perd évidemment contre Murloc. Mais il y a Mecha dans le lobby. Par exemple, contre Mecha, on avait 100%. En fait, il y a tout ce qui n'est pas poison, on est à 100%. Parce qu'on est... en théorie, parce qu'on est tellement... notre scaling, il est infini, en fait. C'est la compo qui scale le plus dans le jeu. Par contre, elle est difficile à mettre en place. Mais le poison nous bat. Vous voyez, on est devant parce qu'il a pas beaucoup de poison. Et donc, on arrive à faire des value trades sur certains hits. Ouais, GG. GG, GG. Magnifique, hein. On fait des belles parties aujourd'hui.